Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, dit général, dit on écoute son cœur, son âme, mais surtout les amis, on ne se fait pas des films, d'accord? Vraiment ici, je suis là pour t'aider, pour avoir des déclics, de pouvoir t'aider sur ton chemin de vie, d'accord? Mais le but n'était pas de se faire du mal, hein, que les choses soient claires. Ici, nous avons l'oracle des miroirs. On va aller voir les messages d'aujourd'hui pour toi. Bien entendu, je compte sur toi pour liker, partager et laisser un commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et pour les autres aussi, s'il serait possible d'aller vous abonner sur ma deuxième chaîne TikTok qui est Aurore en minuscule 1220 pour simplement m'aider à récolter 500 abonnés pour que je puisse faire des lives autres que la médiumnité, forcément. À tout ce qui est créativité et pour tous ceux et celles qui sont seuls et à laquelle aussi ont des petits revenus que je puisse donner deux, trois astuces pour faire des économies. Tout simplement, les amis, on y go, let's go. Qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Alors ici, c'est quelque chose quand même qui est assez fort, qui est assez poignant dans le sens où... Alors, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui t'entoure? Est-ce que c'est pour une personne à laquelle que tu penses? Peu importe, t'écoutes ton cœur, ton âme, ici, je ressens, il est temps que tu quittes une situation, d'accord? Il est temps que tu quittes une situation qui ne te convient plus, qui ne te conviendra plus. Et t'auras beau à contrôler certains événements, de toute façon, voilà, cette situation ne te correspond plus. Donc, quand je te dis qu'il faut quitter une situation, ça peut être une situation, ça peut être aussi un endroit, d'accord? Ou une personne, ok? On va aller voir les messages. Allez, des messages. Claire Prestigious, please. Il faut quitter une situation qui ne te correspond plus, qui ne t'appartient plus, même... Je sens que c'est quand même lourd parce que c'est quand même une énergie à laquelle il y aura quand même de la tristesse ou de la peine. Au niveau intuition, c'est quelque chose qui sera quand même aussi assez lourd de ce que vous allez ressentir. Allez, message clair, précis, juste. Ou alors c'est peut-être toi aussi, hein, d'accord? Il est fort possible aussi que toi, ben, finalement, tu vas, y a quelqu'un qui va vouloir quitter une situation à laquelle tu fais partie dedans. Mais faut pas contrôler, les amis, tout est juste. Même si sur le moment, on s'en aperçoit pas, tout est juste. Allez, dodo deck, oui, c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est bien dans la matière, donc ça va réellement se passer, ok? Allez, on y go, let's go. Alors, attends, je voulais faire quoi? Ouais, on prendrait une petite carte si on a le temps, comme hier, j'aime bien, de temps en temps. Allez, on y go, les amis. Oui, ici, on a l'effet boomerang. Pourquoi l'effet boomerang? Pour moi, ce n'est pas un retour ici. Moi, pour moi, c'est plutôt au niveau des pensées. On a un déséquilibre au niveau du côté yin et yang, ici. Au lieu de regarder devant, hein, devant soi, et de prendre vraiment les choses en main et de décider les choses en main, il y a vraiment une notion, on regarde au-dessus de son épaule. Donc ça, ce n'est pas bon parce que ça veut simplement dire que tu culpabilises ou tu vas culpabiliser, attention, hein, selon ta situation, et à laquelle, ben, au lieu de te tenir tête de tes ressentis et d'aller de l'avant, non, hein, avec la culpabilité, tu regardes au-dessus de ton épaule et tu ne sais plus comment faire. Donc il est possible ici qu'il y ait des va-et-vient. Il est possible ici qu'il y a des allers-retours, il y a possibilité qu'ici que c'est un coup on veut plus, un coup on reveut, un coup on veut plus, d'accord? Et oui, et ici on voit la distance, donc il est possible aussi que entre deux personnes il y a la distanciation ou alors vous avez déjà mis un break, on sent que là de toute façon plus il y a de la distanciation et plus... il y a moins de rapprochement, ce qui est normal, mais je ressens aussi ici, attention, hein, il y a quand même des notions un petit peu de caractère fort, et à laquelle, bon, hein, le caractère fort, oui, on en a besoin, mais ça dépend des situations aussi, puis ça dépend de comment le faire agir aussi, hein. Attention à ça les amis, hein, ne vous emportez pas, oh là là, bah oui, voilà, hein, séparation. Alors, il y a des personnes, voilà, hein, on te dit qu'il y a une situation qui te correspond plus, donc peut-être avec quelqu'un. Donc, on te préconise ici de bien réfléchir à ce que tu dois faire et non à culpabiliser, d'accord? Ça en vient de ton âme et conscience et en plus de ça, de ta propre
Respect pour toi en fait, hein. Tu peux pas tout contrôler et te sacrifier. Donc c'est peut-être toi ou c'est quelqu'un qui est avec toi et que du coup qui va émettre la séparation, la distanciation. Mais il y a ça, mais pour ceux et celles si ça te parle professionnellement, c'est possible aussi, hein. D'accord. On voit bien ici, hein. Séparation, break et retour ici. Attention, hein, il y a une personne qui se demande déjà est-ce que je fais le bon choix ou alors qui espère le retour. Hein. Moi, pour moi, ça a été clair au départ. Ce ne sera pas une séparation temporaire. Il est nécessaire et bénéfique de couper, de changer. C'est quelque chose qui ne t'appartient plus énergétiquement parlant. D'accord? Donc, un conseil. Après, c'est des conseils. Plus tu forceras et plus tu verras. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis ici, on a l'équilibre, l'alignement qui va être retrouvé ici. Hein. On a tout ce qui est justice divine qui veut te faire quand même passer un message dans le sens où, oui, présentement, prends des décisions et assez radicales. Tout ce que tu vas prendre en décision dans le présent auront un impact pour ton futur, tu vois ce que je veux te dire. Donc il y a réellement quelque chose ici à arrêter de se ronger les sangs, arrêter de grignoter à droite, à gauche. Non, ici il faut prendre une décision et assez radicale. Et puis on a la stabilité qui sera retrouvée pour aller vers un succès en fait, hein. Donc une nouveauté. Oui, pour aller vers la victoire ici, la victoire, le succès. Et je n'en doute pas ici, il y a vraiment eu petit à petit la conviction qui sera là. Qu'aujourd'hui, je la ressens pas. Hein. Alors, bien entendu, hein, de ce que tu vas revivre, comment tu vas revivre, de comment ce que tu vas mettre en place, bien entendu, hein, il y aura des médisances, il y aura des cancans, il y aura. Voilà, mais bon, ça, on ne changera pas l'humain, c'est toujours comme ceci. Et dans n'importe où tu regardes ou ailleurs, hein, c'est comme ça. Hein. On voit quand même que tu es quelqu'un qui sera très malin ou maligne dans le sens de ce que tu vas mettre en place dans ta nouvelle vie ou nouveauté des choses où c'est à toi de voir, tu vas flouter les choses pour justement faire taire les mauvaises langues ou tu vas avoir une forme d'intelligence de flouter certaines choses par rapport à une nouvelle vie ou à une nouvelle amoureuse, un nouveau amoureux ou une nouvelle situation pécuniaire ou une nouvelle situation professionnelle et à laquelle peut-être que tu passes un cadre supérieur, dit pépette, donc un peu plus de moyens aussi, de se faire plaisir, etc. Mais là, je ressens, c'est comme si il y a une intelligence de flouter les choses et d'y aller à tâtons pour faire taire les rumeurs ou faire taire les mauvaises langues, quoi. Il y a vraiment, voilà. Et voilà, hein, on repart sur quelque chose de passionnel, on repart sur quelque chose de je revis, je retrouve ma liberté grâce à ce changement et ce changement, je le dois à qui? À moi-même. D'accord? Parce qu'à un moment donné, tu as arrêté de procrastiner, de te faire du mal, de te faire du mauvais sang, de culpabiliser, qui n'est pas nécessaire quand c'est la fin de quelque chose, c'est la fin, point. C'est comme ça. Faut écouter son cœur, son âme. Et tu vois, ici, on a échec et mat pour moi. C'est pas un échec, hein. Attention, hein, beaucoup de confondent. Hein. Ici, on a échec et mat. Hein. Alors, quand c'est échec, mais là, je ressens, c'est, tu vas, c'est là, tu t'avais pas encore toutes les clés en main. Alors, un peu de peur de prendre ces décisions radicales, de voilà, de passer à autre chose, mais bim, bam, boum, dans le futur, tu diras, punaise, j'aurais su ça avant, je l'aurais fait bien avant. Et ça va être une reprise de force en toi, dans ta vie, avec un échec et mat. Magnifique, je te le souhaite. Et regardez, non mais, hey, dinguerie, les amis, on adore, on adore, on adore et on adore. Passionnel, échec et mat, revanche sur la vie, et regardez, l'amour sincère, pur et durable, et regardez, travail. Donc ici, c'était quelque chose qui travaillait psychologiquement parlant, mais il est possible aussi que c'est quelqu'un qui travaille avec toi ou qui va travailler avec toi. Allez, on va regarder pour cette carte-ci, si j'ai le temps, les amis, on a quoi? Oh, non, c'est qu'une. On a KETEL, on a l'heure 2h20. Il est possible que tu vois souvent les chiffres 2, 22 ou 220, d'accord? En seconde, en minute, en plaque d'immatriculation, en département. Bref, bonne nouvelle. La volonté divine est à l'œuvre. Tu vas récolter. Hein, et des opportunités nouvelles arrivent. Donc tout ça, c'est là. Et on a le signe taureau, ascendant lunaire. C'est à toi de voir. Je te le souhaite au niveau de la bonne nouvelle. Bisous à vous tous et je compte sur vous pour liker, partager et laisser un petit commentaire. Ciao, ciao.